Bon, bah écoutez, on fait quelques petits réglages avant d'être en ligne. J'essaie de voir si ça marche. Attention. Ça marche. Je fais toujours ce petit réglage avant de mettre en ligne. Parce qu'évidemment, hop, on va se mettre comme ça. Ouais, ça peut être pas mal. Comme ça. Voilà. Ouais! Bon, écoutez, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live. On est jeudi. On est jeudi 10 août. C'est la Saint-Laurent. Comment je le sais? Parce que c'est mon anniversaire de mariage et c'est aussi la fête de mon amoureux. Et du coup, voilà. J'avais hésité à faire ce petit live aujourd'hui parce que je me suis dit, bon, voilà, c'est un jour un petit peu particulier. Et puis, je me suis dit, bah non, écoute, voilà, tu vas faire de ton mieux, tu vas travailler, peut-être partager des choses avec les gens qui seront en ligne, et puis d'en faire profiter peut-être les gens qui seront sur YouTube. Enfin, bref. Voilà, show must go on, comme dirait un certain Freddy. Donc voilà, donc je suis très contente. Hop, on va mettre un petit peu le programme. Je vais le voir sur l'autre scène parce que là, voilà, je vois rien. Alors aujourd'hui, donc on va. Ah, mais il y a marqué deux fois Zelda, tiens. C'est bien que je le vois. Aujourd'hui, on va travailler le programme qui est ici. Simplement, ce que je vais faire. C'est que je vais. Ta, 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 ta. Alors, voyons voir. Zelda, Totoro, Gaël. Alors, hop, le deuxième Zelda, on va l'enlever. Tac, ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Hop. Alors, on va mettre ça là. Et ça comme ça. Voilà, bon. Ça, là. Ça n'a pas grande importance. Et puis, du coup, tac, 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 tac. Ça, est-ce que je peux le mettre à côté? Est-ce que ça gêne? Je ne pense pas. Et puis, ici, je vais rajouter un titre. Voilà. Hop là. Parce que j'ai travaillé sur une commande, voilà. Tac, est-ce que on le voit maintenant? Ouais. Je sais pas si ça fait la mise à jour tout de suite. On va voir ça. Voyons voir. Ouais. Ouais. Là, y a, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Ouais, il me manque quelque chose. Alors attendez, puisque on est encore en mode. Je crois qu'il m'a fait sauter un truc. C'est un peu embêtant. Je vais enlever ça. Ça va nous faire gagner de la place. Ouais. Je vais me noter comme ça. Je pense, voilà. Voilà, j'ai pas eu le temps malheureusement de faire de mise à jour. Et du coup, il est où? Il est là. Hop. Ouais, ça a l'air pas mal comme ça. Je vais faire un dernier truc et puis ça sera bon. Toute façon, comme certains me disent, c'est mon live. C'est mon live. D'ailleurs, hier, j'ai commencé un nouveau let's play avec Death Gone. Death Gone. 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 Bon, au début, c'était pas évident parce que il y avait des boutons que moi, j'arrivais pas à faire. Donc, j'ai dû faire une petite manip, mais maintenant, ça va mieux. Voilà. Donc, on continuera ce let's play. Voilà, est-ce que c'est pas mal comme ça? Ouais, c'est pas mal. Bon, après, voilà, on fait de notre mieux, comme dirait l'autre.
Je fais un dernier truc et puis c'est bon. Si je le décale d'un cran, parce que c'est vraiment de la cosmétique, hein, que ce que je suis en train de faire. Hein. Hop. Ouais, c'est mieux. Voilà, on va faire comme ça. Ok. Donc écoutez, on va commencer par travailler ceux qu'on connaît en principe. En sachant que je n'ai pas ma art principale, hein, parce que les magasins étant fermés et ayant eu un petit souci de cordes. Du coup, voilà, elle m'a pas cassé une corde, elle m'en a cassé deux. Et du coup, j'avais une corde d'avance, mais j'en avais pas. Mais pour la deuxième, je ne l'avais pas. Donc du coup, voilà. Ce qui m'a fait que, hop, je vais mettre ça comme ça, en attendant. Ce qui a fait que je suis coincée. Alors évidemment, ça va, hein, c'est pas la galère, hein, mais heureusement pour moi d'ailleurs. Donc, écoutez, on va commencer directement par Zelda. J'avais un peu oublié. J'avais un peu oublié. On va voir si je peux mettre la scène qui est comme ça. Voyons voir. Est-ce que. Ça, c'est laquelle? Ça, c'est celle-là. Donc, hop. Je vais la baisser un peu. Voilà. Je sais pas si c'est intéressant. Ah ouais, mais alors là, j'ai le micro qui est juste là. Alors, attendez, j'essaie de trouver d'autres. Ah, voilà. Mais ouais, tac. Et puis, voilà. Ok. Parce que vous n'avez rien vu, évidemment, de ce que j'ai fait. Tac. Voilà, je me suis mis en mode multipass. Donc, c'est parti pour Zelda. C'est le début. Ok, hop, je mets le micro un peu plus haut.
Bon, bah, c'était le début. C'est le premier. Et j'ai fait ça directement sans, je peux dire, sans échauffement, parce que ça a été mon échauffement. Donc, du coup, on va changer de scène. Hop, on va le mettre comme ça. On va faire ça. Moi, ça m'amuse de faire ça. Donc là, je suis sans partition, hein. Vous voyez, je peux tourner la partition. C'est de tête, hein, histoire que vous ne pensiez pas que je. Hein. Ça m'arrive hein, de le faire avec la partition, mais là, voilà, c'est de tête. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer d'apprendre les morceaux au-delà de la base, mais vraiment de les apprendre sur la harpe, quoi. Donc, du coup, on y retourne. Bon, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc ça pour Zelda, ça y est, c'est check. C'est dommage que j'ai pas de, comment dire, de machin qui voilà quoi. Hop. Donc ça pour Zelda, c'est bon. Je crois que le titre suivant, c'est Bayside. Voilà, c'est Bayside. Je suis en train de regarder si tout va bien de ce côté-là. Ouais, super. Donc, allez, donc là c'est pareil, le but de l'opération, là on est encore dans les zones de par cœur, bah, c'est de travailler ce morceau-là toujours et encore. On est dans une autre tonalité. Tiens, d'ailleurs, je vais faire quelque chose. Ce que vous entendez craquer là, je sais, c'est ma ceinture en cuir. Qui craque comme ça. J'en ai pas besoin pour ce que je fais. Et d'ailleurs, elle a une particularité pour les gens qui vont faire le replay. Vous voyez, c'est une ceinture très ouvragée. Vous voyez, c'est une ceinture celtique, très 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 ouvragée. Hop, voilà. Elle est très belle. Et je l'aime beaucoup. J'en ai une autre dans un autre style. Hop, je vais la mettre là en attendant. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Donc, voyons voir que je requins. J'ai une impression d'oublier quelque chose, mais c'est pas grave. Ok, pour ce gentil floating.
Bonjour, bonjour à tous. Bon, je me décontracte de plus en plus sur ce morceau. Je trouve qu'il est très très sympa. Tiens, d'ailleurs, on va se mettre. Je pensais que j'étais sur l'autre scène. Hop, on va faire comme ça. Voilà. On va faire comme ça. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 10 août. C'est une journée un peu spéciale pour moi parce que ça fait 21 ans que je suis mariée. Ça fait un bout de temps. Voilà, mais j'ai testé le bonhomme avant. Mais voilà, donc aujourd'hui, bah, c'est une petite session répétition de morceaux comme d'habitude. Et puis bah, là, j'en suis au deuxième morceau. Donc je vais recommencer ce morceau-là. Ah, bonjour Babou Barbu. Comment ça va? Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça va bien. Bah écoute, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Oh, t'inquiète pas, moi je fais plein de bêtises quand j'écris. Et en plus, tu sais, avec les rectifications d'orthographe, c'est pire parce que tu veux écrire un truc et puis tu retournes le mot, et puis quand tu l'envoies, tu vérifies pas, et puis ça dit n'importe quoi, tu dis mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Si tu savais toutes les postes ou les trucs comme ça, où en plus avec mes yeux, parfois ça peut paraître bizarre, hein, mais j'envoie un truc et c'est à l'envers, ça veut faire des contre-pré-pré-pétris, voilà, tu vois, ça commence. Donc voilà quoi. Et comment tu vas toi, ça, comment ça, quel temps il fait chez toi? Le temps d'écrire. C'est plus facile, moi, je dois parler. Donc, voilà. Ça va? Pas trop moche. Oui, ben nous, c'est pareil. C'est pareil. Il fait un blanc, voilà. Il fait blanc. Ah oui, d'accord. Je comprends. Il fait blanc. Qu'est-ce qu'ils me disent sur mon téléphone là? 22? Ah oh non, non, moi j'ai pas 22. Non, 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 j'ai pas 22. Tiens, il y a mon modérateur qui dit, allez, Ico, je vais tout balancer. Il y a Streamlab qui dit, allez, moi aussi, je sais causer. Enfin, en tout cas, ça prouve que mon truc, il marche. Voilà. Bon, allez, j'y retourne. Donc là, je suis en train de travailler. Enfin, quand tu es arrivé, j'étais en train de jouer un morceau d'un très vieux jeu vidéo qui s'appelle Might and Magic 4. A priori, il n'est pas très populaire. Mais en tout cas, la musique était très sympa. Et là, très récemment, parce que actualité oblige, j'ai fini la. Comment je vais t'expliquer ça? La base de la partition de Down the River de Baldur's Gate. Alors, je ne crois pas que ce soit le morceau de base du dernier jeu, mais c'est un morceau a priori qui est assez récurrent, qui revient. Et donc, du coup, bah, je vais le travailler. Donc, je ne sais pas le jouer complètement. J'ai travaillé, on va dire, le patron, la base. Et puis, là, ce matin, je l'ai mis en ligne pour les gens qui veulent l'acheter. Voilà, puisque j'ai des moyens un peu sorcier de faire croire que je l'ai joué, mais je le sais pas encore parce que voilà, apprendre des morceaux comme ça demande du temps, mais il y a des moyens aujourd'hui qui s'appellent des émulateurs. Et d'ailleurs les comment dire, les compositeurs de jeux vidéo, ils en utilisent et on abuse pas mal parce que voilà, ils sont pas multi-instrumentistes et voilà quoi. Donc voilà, donc je vais rejouer ce morceau, puis voilà, je te laisse, tu restes le temps que tu veux sur le stream, avec plaisir. Allez, c'est parti.
Ça, c'est la fin. Ça, c'est la fin. Alors. Ah, bah, tu peux faire une sieste tout en écoutant. Hein. Ça peut être bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas. De toute façon, je vois quand j'ai des spectateurs. Ou quand j'en ai plus, parce que voilà. Mais il n'y a pas de souci. Ouais, alors, Remnant, je l'ai vu passer en jeu vidéo. Je n'ai pas encore eu le temps de m'y pencher, parce que c'est le problème, hein, dans mon métier. Voilà, si je pouvais faire toutes les musiques de jeux vidéo, je le ferais, mais il y a aussi beaucoup de travail, tu vois. Mais bon, pourquoi pas je le note, et comme ça, je shine of light, ok? Je vais le noter. C'est comme ça que je découvre des choses aussi, parce que moi je connais pas tout, c'est normal. Et je vais le noter ça. Alors attends, hop, on va voir ça. Oups, pardon, tu as peut-être entendu mon. Je vais le mettre là. Shined of light. Après, la difficulté aussi, c'est de trouver des bons supports. Parce que je parle de partitions de base. Pour le travailler, en règle générale, je prends des bases de piano, mais après, je dois les retravailler, les resculpter, parce que le piano, c'est pas la harpe. Donc c'est, ça serait facile. Alors, attends, hop, il y a un truc qui passe pas. Ah, voilà. Ah, c'est possible. Oui, vers ça, je te fais confiance. Ça aussi, c'est un autre truc qui se passe aussi souvent, c'est que tu as des compositeurs, enfin, des commandes pour des... Voilà quoi. Ouais. Donc. Allez, on change un peu. Hop. On avance un peu. Ah bah voilà. On va aller voir Totoro. On va aller voir Monsieur Totoro. Alors, Monsieur Totoro. Hop. Normalement, c'est ça. Après j'ai aussi des partitions de Morrowind. Enfin, j'en ai plein, en fait. Hein, donc, voilà. Là, en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que pendant des années, j'ai eu un espèce de burn-out musical, où avant, je bougeais beaucoup sur les fêtes médiévales et les fêtes féeriques, bien avant la Covid. Et en fait, c'était tellement dur de faire ça, qu'au bout d'un moment, je pouvais plus, quoi. Et c'était malheureusement pas rentable financièrement. Et donc, j'ai toujours continué à faire mon travail de prof de art, parce que, voilà, il faut en vivre, hein, faut vivre. Hein. Et depuis que je fais Twitch, en fait, ce qui était embêtant, si tu veux, c'était de travailler un peu toute seule, dans son coin, sans partage, etc., et sans pression non plus. De me dire, oui, il faut que je prépare un spectacle, et nanani, nanana, enfin bon, avec parfois des surprises, des mauvaises surprises, même si j'ai eu des très bonnes surprises, hein, j'ai quand même passé à Troll et Dragon en Belgique, hein, donc c'est pas rien quand même. Bon, j'ai pas fait des grandes scènes, hein, j'étais plutôt dans les scènes intermédiaires, parce que la harpe... Je ne suis pas Faune ou Omnia, hein. Je suis toute seule, moi. Hein. Donc, mais ouais, j'ai fait des belles rencontres et tout. Et puis, grâce à Twitch, tu vois, ça me permet de discuter avec des gens comme toi, avec des gens qui sont un peu fans de jeux vidéo, de films. Et puis, bah, moi, je joue ces morceaux-là parce que ça parle plus qu'un obscur morceau celtique que les gens ne connaissent pas forcément. Puis moi, ça me change. Et puis, voilà, quoi, tu vois. Donc, Totoro, entre autres. Alors, hein, Monsieur Totoro, est-ce qu'il va vouloir passer? On va voir. Thank you.
C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, je suis contente. Je suis contente. Parce que dans les morceaux, il y a toujours des phrases galères. Et la dernière fois, dans la dernière répétition, j'avais toujours un trou à un endroit. C'est toujours un trou de mémoire à un endroit, quoi. Bon, super. Eh bien, écoute, on va le refaire. On va le refaire. C'est parti. Hop. Ah, j'ai fait une bêtise. Ah, les Japonais, ils sont forts pour les harmonies. Ils sont forts pour les harmonies, les Japonais. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop, on avance, on avance. Donc, le but de l'opération, c'est la répétition, bien évidemment. Hop. Et en moyenne, je fais 2 fois par morceau. Voilà. En sachant que je n'ai pas travaillé entre les deux, puisque j'ai fait... le morceau de Baldur Gate, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et du coup, bah, je ne pouvais pas répéter entre les deux, quoi. Mais mon truc de modérateur, il est au taquet, hein. Je ne sais pas ce qui lui arrive aujourd'hui, mais... hop, on va mettre ça comme ça. Hop. Donc là, pour l'instant, on est en mode savoir par cœur. Voilà, hein. C'est-à-dire que normalement, je dois être censé... le connaître par cœur. Voilà, je vous montre un peu le petit programme pour savoir... est-ce que je suis le programme ? Oui, je suis à peu près le programme pour une fois. Donc, vous voyez où j'en suis ? J'attends un peu de... Alors, par contre, il y a un truc que je viens de me rendre compte. La date, là, ça ne va pas du tout. Ah là 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 là, on n'est pas lundi 7 août. Hein. Moi, j'aimerais bien. On est jeudi 10 août. Bon, tant pis, hein. Hop, je le change. Personne ne le verra à part nous. Hein. Hop, boum.
Il y a tellement de trucs qu'il faut se souvenir à faire à chaque fois. C'est fou. Bon, voilà. Allez, zou. Tac. Alors, pour Totoro, c'est fait. Ça va de mieux en mieux. Il y a encore cette partie-là où je cafouille un peu. Mais bon, à force de répétition. Maintenant, on va travailler The Gael. Alors, pour The Gael et Promontory, qui sont les deux morceaux phares du film Le Dernier des Mohicans, je sais pas si toi, Babou Barbu, pardon, tu l'as vu, si vous l'avez déjà vu. Là, je parle aussi aux gens qui verront le replay, parce que j'ai des gens qui regardent mes replays, et parfois aussi, je mets certaines vidéos sur YouTube. Donc, j'interpelle aussi les gens qui sont sur YouTube, qui me laissent des commentaires. Donc, il y a deux morceaux. D'ailleurs, qui ne sont pas des morceaux traditionnels, mais des compositions. Justement, on en parlait tout à l'heure. Et donc, l'idée ici, c'est de les mélanger et de les faire alterner. Et d'utiliser comment dire, la base des accords de ce morceau, bah, pour pouvoir un peu improviser, en tout cas, voilà, tourner autour, quoi. Voilà, donc je vais, hop, vérifier la tonalité, c'est ça. Hop, 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 on va se mettre. Est-ce qu'on se met comme ça, tranquillou, entre nous, comme dirait l'autre? Ouais, on va se mettre comme ça, voilà. Par contre, il faut que je vérifie juste. Tac. Ok. Alors, petite précision, tiens, aussi pour le stream, et puis pour même peut-être plus tard. Là, je suis sur une harpe avec des cordes. Attends, on va remonter un peu ça. Hop. Tac. Voilà. Avec des cordes en nylon. Donc, c'est pour ça que ça fait ce son un peu cristallin par rapport au harpe qu'il y a derrière. Ma harpe à moi, en ce moment, elle est un peu en rade parce que il y a deux cordes qui ont cassé. Et alors, une corde, je peux la changer, je l'avais en stock, mais la deuxième, non. Et évidemment, les magasins, ils sont fermés parce que c'est le mois d'août. Ah! Voilà ce que c'est que d'avoir un instrument à cordes. Bon, allez, c'est parti. Donc là, je vais un peu broder le... Et puis, voilà quoi. On a dit que le si c'était moche. On recommence.
c'est pas mal. C'est pas mal. C'est intéressant parce que là, je fais des mixtes de différentes partitions. Donc ça, c'est pas mal. Alors, il faut que je boive. Il faut que je boive. Alors, il est quelle heure? Ouais, bah écoute, c'est pas mal. On va essayer de ne pas toucher à ça. Hop là. Donc, je vais le refaire parce que c'est aussi une histoire de répétition. Et puis après, on passera à autre chose. On passera par... on va passer par la comté. Ce qui est un peu... c'est très celtique, hein, les morceaux que je joue quelque part. Hein. C'est d'inspiration celtique. Hein. Donc, c'est parti pour un deuxième passage. Je vais essayer de voir si en tournant le... Est-ce que ça fait une différence avec le micro comme ça par rapport à l'arbre? Je ne sais pas. Je réécouterai de toute façon le replay. Alors, c'est parti. L'harmonique était là. L'harmonique était là. Bon, allez, hop. C'était moins bien. C'est moi qui le dis que c'était moins bien. Hop. Mais bon, voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est que... Allez, remonte, petite caméra. C'est que... On en était à là. Voilà. Bah, c'est que, voilà, on n'est pas des robots, on est des humains. Donc, un coup, ça passe, un coup, ça passe pas.
Mais bon, il y a des idées. J'ai quand même fait une harmonique. Ça, c'est bien, les harmoniques. Regardez. Alors ça, c'est Pirates des Caraïbes. Depuis tout à l'heure, j'étais en train de me dire, mais à quoi ça me fait penser, ce truc-là? Et j'ai la partition de ça. Il faudra que je la travaille un de ces jours, mais j'ai tellement de trucs à travailler que... Voilà, il ne me suffit pas d'une vie. Enfin, j'aurais pas su... Voilà les trucs que je dis, des bêtises. J'aurais pas assez d'une vie pour tout travailler. Voilà, je remets en place mon cerveau. Alors, bah maintenant, on va passer par notre ami The Hobbit, Concerning The Hobbit, La Comté, plus précisément. Ça, c'était un morceau que je jouais souvent en fête médiévale et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de le jouer à plusieurs reprises dans des conventions autour de l'univers de Tolkien et d'avoir travaillé aussi avec des spécialistes de la langue elfique, dont un certain Edouard Klosko, j'espère que je le dis bien. Et ouais, c'était un bon moment. J'ai même rencontré des hobbits, des gens qui vraiment se costument et vivent leur personnage. Et je trouve ça super chouette parce que c'est tellement de travail de se créer son personnage et ses costumes que moi, je suis très, très admirative. Et voilà, quoi. Donc... Du coup, j'avais appris ce morceau-là et c'était un défi à l'époque parce que j'avais une bonne mémoire, mais j'avais pas les outils nécessaires pour tout me souvenir. Parce que là, ce morceau, si je le déplie, tu fais combien, mon bonhomme? Il fait 4 pages. Donc, je vais le mettre comme ça, mais en principe, je devrais savoir le jouer. On va voir. Hop, donc, ça bavarde. C'est une harpe bavarde. Voilà, et puis on a ça, on a ça. On va voir comment ça passe. La pépette, ouais, tac. Attends, on va peut-être se mettre... Est-ce que comme ça, c'est pas mal? Oh, j'aime bien cette petite scène-là. Hop, on va enlever le programme, ça sera plus propre. Ah, faux départ. Non? C'était dans l'autre sens. C'était dans l'autre sens. On recommence. Là, j'ai fait une bêtise. Il y a des trous quand même. Thank you.
Bon, on peut mieux faire, on peut mieux faire. Il y a eu un trône, je ne sais plus où c'était. Où est-ce que j'ai eu mon trône? Non, c'est pas là, nanana. Nanana, en haut, nanana. Non. Je sais plus. Non, c'est pas là. Ah, c'est là. Oh là là. Si mes élèves voyaient cette partition, je crois qu'ils auraient peur. En général, quand je sors des partitions comme ça, ça fait un peu peur. Allez, on y retourne. De toute façon, là, j'ai pas besoin de ça. Tac. Je vais le faire un peu moins vite. Fais n'importe quoi. Les fins, on les choisit. Bon, c'était mieux. Il y a eu des cafouillages, mais c'était un petit peu mieux. Et ça sera de mieux en mieux, de toute façon. Parce que c'est des morceaux que je lâche pas. Après, il faudra que je fasse des choix. Alors, du coup, ici, si j'espère que tout va bien, que tout se passe bien, que vous faites vos siestes ou je ne sais quoi. Donc, du coup, maintenant, là, je passe à des morceaux qui ne sont plus dans la tête. Qui sont des morceaux de travail. Alors, avant de faire ces morceaux-là, je vais quand même faire mon morceau du jour, ma composition que j'ai composée pour ce jour-là, le 10 août. Sauf que ce jour-là, c'était le 10 août 2002. Il s'est passé quelque chose. Voilà. Et donc, ce serait dommage que je ne joue pas ce morceau aujourd'hui. Ce morceau, il s'appelle « Éternel ». Tu veux pas, hein?
Et voilà. Ouf, excusez-moi. Ok, bon. Il faut que je boive. C'est très particulier aujourd'hui pour moi. Donc, voilà. Hop. Alors, on continue. On continue. Il fallait que je le fasse. Alors, du coup il faudra que je les change. Mais on va... Hop. Je ne vais pas tout de suite faire Baldur's Gate. Je vais travailler Braveheart. Parce que je le connais un peu mieux. Et qu'il faut que je continue à le travailler. Mais après, je pense qu'on passera par... Baldur's Gate, enfin, j'appelle Baldur's Gate, mais c'est dans The Weaver. Alors. Hop. Tac, 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 tac. Oh. J'ai un panorama de partitions. Yes. Et puis, je vais prendre ça et ça. Tac. Ok. En plus, c'est bien, on est bien. Il y a peut-être quelque chose que j'aurais oublié de noter au début. Non. Ok. N'importe quoi. Alors après, c'est là où je ne sais plus. Donc, hop. Pourquoi ça ne passe pas? C'est parce que c'est là. Ok. On va recommencer ça. Ok. Ensuite, je ne sais plus.
C'est pas ça, mais c'est pas grave. On fait comme si. Et là, c'est un là. On va continuer. On va continuer. Alors, ensuite. Non, c'est pas ça. Je vais recommencer. Alors là, là c'est deux nanas. Ah, on est là. Ok. Ok. Ah oui, il y a un truc là. Ah, je suis pas au bon endroit. Je suis pas au bon endroit. Ok. Ah, décidément. Mais là, on est sur la deuxième partie, donc... C'est un là. Non, c'est pas un là. Alors là, il y a ça. Alors là, c'est... C'est sol ré. Et là, c'est sol. Ah, je sais plus le faire, tiens. Ah oui. Et là, après, c'est des arpèges avec des la. Je sais plus, ça doit être un sol. Ah, pourquoi j'entends plus? Je sais plus le faire.
Ah, ça y est. Et hop, ça redescend. Et là, on a les arpèges. Et donc, il faut que je me souvienne du... c'est un fa, en fait. C'est un ré. Ça, il va falloir que je le note... Alors, ré, on est là. Ti, ta, pam, pam, un fa, un mi, c'est un mi, un do, do, un. Alors, ti, ta, 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 ti, ta, ti, ta, 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 ta. Voilà, je suis en train de faire. Donc, du coup, je vais le faire ensemble. Ça doit être là. Je fais n'importe quoi, bon. Bon, c'est un peu cafouillis mon truc, hein. C'est un peu cafouillis. Il va falloir que je revoie ma copie. Il va falloir que je revoie ma copie. Ouais. Oup, 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 oup. Ah, j'ai cru qu'il était, enlevé, mon bouchon. Bon, alors, du coup, on passe à autre chose. Parce que là, il faut que je le structure mieux. Il faut que je mette des annotations. Mais il est très bien, il est très joli, Brevert. Il est très joli. Alors là, hop, je n'avais pas un autre. Donc là, maintenant, je vais attaquer
ce morceau Down by the River, qui n'est pas le morceau de Louisiane, parce qu'il existe un morceau de musique américaine, qui, je crois que c'est un gospel. Et je crois qu'il s'appelle Down by the River, pray, Down by the River, pray. C'est un peu ça, quoi. Donc, c'est pas le même. C'est pas le même. Et donc, dans celui-là, hop, là, il faut en monter des leviers. Allez, on monte des leviers, on monte des leviers, on monte des leviers. D'ailleurs, c'est pas souvent que je monte autant de leviers. Donc, c'est bien. Je m'étais un petit peu exercée, donc j'ai un peu triché. Voilà. Alors, ce que je vais faire là, et c'est ce que j'ai mal fait sur Braveheart, c'est que je vais vraiment écrire sur la partition que j'ai là des informations, comment dire, de repérage dans l'espace. Voilà. Hop. Donc, je sais qu'il y a cette partie-là. Ça, c'est l'intro. Et il y a cette partie-là. Voilà. On va faire la première page. Ça, c'est l'intro. Et là, on a... c'est en... Fa. Voilà. Et là, on a... que je dise pas de bêtises, si ré et fa. Là, je vais faire un peu illusion parce que je l'ai un peu travaillé hier, donc voilà. Et il est assez. Ce que ça donne donc. Il faut que je m'entraîne à faire ça déjà. Alors, et là, on a le début de la chanson. Je ne sais pas si vous reconnaissez l'air, mais voilà. Et donc, du coup, on va leur donner... Alors, là, ce que je suis en train de mettre, c'est des informations parce que, comment dire, c'est des annotations qui vont être ensuite... mis à jour sur le site pour les élèves qui veulent acheter ce qu'on appelle des partitions annotées. Donc actuellement sur la boutique, j'ai mis en ligne une partition vierge où les gens peuvent mettre les doigtés qu'ils veulent. Mais là, je suis en train de travailler sur l'annotation que moi, je propose. Voilà, c'est un peu le guide du routard. Enfin, je ne sais pas comment appeler ça et tout. Donc, je profite du live pour faire ça. Donc ici, je vais simplement... Voilà ce que ça donne. C'est beaucoup 3 et 2. C'est pas évident au niveau des doigtés pour les gens qui apprennent. Donc je vais le mettre et après je mettrai à jour. Non, c'est pas ça. C'est ça. 2, 3. Tac. 2, 1, 2, 1. Voilà. Hop. 3, 3, 2, 1. 2, 1, 2, 3.
ensuite, on a 3, 3, 2, 1, 2, non. Ah, je vais absolument mettre 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1. Et ça, c'est pareil que ça. Voilà. On va l'appeler A, on va l'appeler C, on va l'appeler A et on va l'appeler A, B, C, A. Voilà, ça c'est pour faire vraiment des repères dans l'espace. Là, on va l'appeler B et là, ça va être A, étoile. Hop. Et là, C. C comme... Oh, ça aurait pu être R comme refrain, mais bon. Donc, 4, 1. Non, c'est pas ça. 4, 1, 1. Ouais, on peut faire comme ça. 1, 2, 4, 1, 1. Mon chien hein, ronfle. 1, slash. C'est bon signe s'il ronfle. C'est que tout va bien. Bon, alors, c'est parti. Que je pose mes trucs. Non, c'est pas parti. Alors, pour la première ligne, c'est ça. C'est ça. Et là, c'est ça. Voilà. Hop. Ah là, je suis contente, c'est bien structuré. Voilà. Et là, vous l'entendez, la musique. Ah, je peux vous la faire. Et du coup, ça doit faire ça. Alors, c'est là. Alors, là, c'est là. Il faut que je fasse un petit truc qui sera plutôt 1, 2. 1, 2, 3. Et là, slash 2, 3. 2, 1, voilà. Et là, c'est ça, et là, c'est ça, et on revient sur cette position-là. Donc, je recommence depuis le début.
Voilà. Et là, on est au début. Hein? C'est pas mal? C'est pas mal. Donc, du coup, on passe à la page 2. Donc, la page 2. Ce qui est très joli à la harpe, c'est que... on va dire que c'est presque fini, le morceau. Alors, il y a encore du travail, hein. Mais que là, moi, ce que j'ai essayé d'écouter, puisque j'ai entendu des versions très différentes, c'est de faire une fusion par rapport à des versions où j'ai vu de la harpe, etc. Et il y a une jeune fille qui a des millions de vues, qui est rousse. Je ne pense pas qu'elle soit rousse. Je pense qu'elle a un costume, mais bon, là n'est pas la question. Et je trouvais que sa version a... plusieurs instruments étaient jolis parce qu'on entendait un son un peu profond. Donc là maintenant, on va avoir de nouveau la phrase, je vais mettre ici le truc. On va avoir de nouveau la phrase A, la phrase B et la phrase A étoile, mais avec des mains gauches plus compliquées, plus complexes. Voilà, donc ça je remets. Tac, tac, tac. Et évidemment, le refrain, la phrase C, qui va être, voilà, pareil. Donc là, on a un Ré. Non. Ah, Ève, il te faut un café. Un Ré, un Mi, un Ré. Là, attends, ouais, c'est ça. Ok, alors ça fait Fa, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, d'accord. Et là, ça fait Si, ah, je le mets au-dessus, Si, Mi, Ré, ah oui, après c'est, non, décidément, je ne sais pas, mon cerveau, il a décidé que la quête sol, c'était la quête Fa. Et là, on a un point commun. Et là, ça va être pareil, ça va être ça, ça. Ça, là c'est pareil. Alors là, l'exercice consiste à faire ça. Voilà, de faire ça. Vous l'entendez? Est-ce que vous entendez ce son? Et donc ça fait, ça va faire ça. Voilà, faut. Ensuite. Alors, et la deuxième fois, là, on a... alors, ouais, dans la première fois, on a ça. Et puis après... Alors là, non, c'est pas ça. Alors, ah, si, tiens. Et du coup... Ah ouais, tiens, là, il y a un truc qui est intéressant. Ah bah non. Ah, c'est parce que je me suis trompée. C'est celui-là qu'il fallait que je monte. Ok, donc on est parti. Alors non, c'est plutôt ça.
ça c'est bon. Alors non, du coup ça va être... Ça va être ça. Heureusement que c'est pas plus haut. Parce que là, on a ça. Et du coup, là, on a une partie. Je vais essayer de mettre un petit... Voilà, un petit truc comme ça. Parce que là, on attaque la moitié. Et du coup, je vais essayer de faire, pour aujourd'hui en tout cas, j'irai peut-être pas plus loin, parce qu'il est la demi. Mais déjà, la moitié, ça, c'est ce que j'avais un peu travaillé en off. Donc, c'est pour ça que ça passe mieux. Et après, j'essaierai de voir si je peux avoir un dernier morceau. Il y a juste un truc qui me gêne. C'est l'accordage. Il y a un son à chaque fois. Ah. Marrant, hein? Voilà. Hop là. Hop. Tac, ça sera mieux comme ça. Allez. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire au début. Est-ce que j'ai eu un doute? Non, c'est la même chose. C'est pas mal. Encore une dernière fois, mais ça commence à être bien. Hop, on fait une petite pause.
Commence à être un petit peu fatiguée. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, je commence à être un peu fatiguée. Et lui, par contre, mon chien, lui, il n'est pas fatigué du tout. Enfin, il a le pif qui est à ras du sol. C'est assez marrant à voir. Je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez un bout, je pense. Ouais, ouais, il est juste là, là. Il y a le pif qui pendouille. Oula, j'ai failli faire une bêtise. Bon. Ça, ouais, je le travaillerai un petit peu. Après, c'est la même chose. Donc, ça, c'est bien. Pour finir, je vais commencer à retravailler un morceau de Morrowind qui s'appelle Peaceful Water. Peaceful Water. Water. Non, Water, c'est serveur. Oh là là, oh là là, attendez, il y a beaucoup de choses là. Attendez. Ah ben, c'est Segunda qui voulait dire, moi je suis là. J'ai encore Segunda à travailler, évidemment. Mais on ne pourra pas tout faire aujourd'hui. Alors, pour Peaceful, hein. Oh, il n'y a que 2 pages, donc je devrais y arriver. Hop. Oui, bien sûr. Ah là là, mon petit chien ronfleur. J'ai de la chance. Dans la vie, j'ai un mari et un chien ronfleur. Alors, mon voisin doit dire, ah chouette, c'est presque fini. Alors, donc là, il faut que je redistribue. Oui, bien sûr. Il faut que je me rappelle du... Ah oui, je l'entends, ça y est. Alors, comment j'avais fait mon compte là? J'avais lâché, ouais, peut-être. Ok, donc ça c'était la première partie, mon Streamlabs, ça va. Donc ensuite, là il faut que je fasse attention que je vais le mettre comme ça. Là je suis obligée de déchiffrer. Hein. Donc la mi, sol ré, non, ah, c'est sol ré dans l'autre sens. Alors, là, c'est un Fa normal. On va essayer de déchiffrer. Là, je répète, hein, c'est pas la deuxième ligne.
Et la deuxième fois, il y a le fa qui devient dièse. Donc on va voir ce que ça donne. Alors attends, là j'avais... C'est ça. Et là, il faut que je remonte. Et là, c'est un ré. Un ré, là... Oui, là. Ok. Donc ça, c'était ce qu'il y a là. Et du coup... Oui, j'avais mis l'information. On va le mettre en rouge. Hop, ici et ici. Je vais refaire ça. Il est quelle heure? Ah, c'est bon. Je vais refaire ça. Je sais pas si tu étais là, toujours, Babou Barbu. Et si tu connais Peaceful Water de Morrowind. C'est un morceau qu'on m'a comment dire, suggéré avec Morrowind, je sais plus c'est quoi son nom global quoi. Et du coup, je suis en train de le travailler pour, j'essaie de travailler en fait des groupes de deux morceaux par thème, on va dire par jeu, voilà, pour avoir un petit truc quoi, tu vois. Donc voilà, donc. Donc là après on va avoir donc ensuite on a la suite justement donc là je vais déchiffrer la suite là ce qui serait sympa c'est que est-ce que le fa dièse est-ce que le non ouais le fa redevient normal de bécard. Donc là, il va falloir que je l'indique. Et je ne sais jamais comment. Le symbole, je ne le sais jamais. Donc là, on va déchiffrer la main droite. J'entends le truc. Ah, je l'entends. Ok, c'est grave un peu comme tonalité. On va voir parce que là c'est do sol. Ok. Oh, c'est grave comme un truc, c'est un peu grave d'aussi là ça, ouais, il faudrait que je vois si je peux pas le monter celui-là. C'est ça qui est intéressant, c'est que entre ce qu'on a pensé sur le papier et comment ça rend sur la harpe, peut y avoir un son un peu différent.
Et ça serait peut-être mieux presque de le faire là. Je vais essayer de le faire là. Et ensuite. Ça serait plutôt là, du coup. Ça ferait mi, la, si, do. Là, c'est sol, ré qui est ici. Le sol, ré qui est ici, c'est avec ça. Ça, c'est beau, pourtant. C'est un fa, la, fa, sol. Là, je l'entends le truc, c'est un la. La, mi, la. Non, c'est un truc comme ça. Ah oui, c'est la, mi, la. Et voilà, c'est ça. Ouais, ça c'est intéressant comme réflexion. Là, je parle aussi aux gens qui sont sur YouTube. C'est que vous voyez au départ, ça c'était pas mal. Et ensuite, on a ça. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de le mettre là? Et du coup, de le retransposer. Ça, c'est presque plus joli. Ouais. Du coup, on pourrait faire ça là. Et ensuite, descendre. Et là, ça serait... On ferait un renversement. Et puis, ça ferait... fa... Alors, c'est fa, do. Fa, do. Ou fado là aussi, on peut faire ça. Celui-là, on pourrait le garder en fait. Alors, je vais essayer ça. Je vais essayer ça ici, lentement. Fera un renversement. Ah, le renversement il marche pas trop. Là c'est un sol ré. On va le faire ici du coup. Et puis là on aurait ça avec ça. Là ça serait pas mal. Et là c'est la mi la. Ouais, il faudrait que je voie pour ça. Pour voir, de faire un peu plus de contraste. Parce que sinon, l'original, il est là. Il est joli aussi, hein. J'ai un doute, c'est pour ça, hein. Là, c'est grave, c'est ça qui me gêne en fait. Là, c'est le
Là, c'est Do. Alors, attendez, je suis perdue. Et là, ça va être... c'est ça. On va recommencer. Alors là, ça va être... Ah, ça, j'ai déjà vu. Là, c'est comme ça. Alors là, c'est... Alors, c'est un... Si, mi. Ah, je l'entends, le son. Alors là, là. Après, je pense que j'arrêterai là, mais c'est pas mal. Là, il va y avoir. Ouais. Ça, c'est encore. Et là, il y a. Ah, là, il y a un fa dièse. Est-ce que le fa dièse, on l'a avant? Non, on l'a pas avant. Ça, c'est intéressant. On l'a pas avant. Donc, je refais ça. On a dit que c'était là. Alors, ta. Sol. Alors, évidemment, ça sonne pas bien parce qu'il y a le... Ah, il va y avoir le fa dièse. Non. Le fa dièse qui va être là. Là avec ré. Et puis là, on a un sol. Non, si. Sol. Ah. Ah ouais. Oh là là. Voilà ce que ça donne. Ok, donc là, il va falloir que je mette des petites annotations. Bon. Ok, donc ça, c'est des pistes. Alors, attends, ça va pas. Ça, c'est des pistes. Plus haut. Question. Ok. Eh ben, c'était intéressant. Alors, j'ai pas fini. Hop. J'ai pas fini. Tac, tac, tac. On va se mettre ici. Parce que quand on fait une session de répétition, enfin, pour moi en tout cas, il faut toujours que je finisse sur un morceau abouti. Quelque chose que je connais. Voilà. Et donc là, c'est bien, ça tombe bien, ça. C'est que je vais faire un morceau traditionnel breton qui s'appelle Aniné à Garande et je vais le faire en ce qu'on appelle en mode picking. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite répétition vous a plu. Comme vous pouvez le constater, il y a des choses qui passent, d'autres qui passent moins bien. Il y a des morceaux aussi que je commence à travailler. Puis c'est chouette parce que ça me permet de le partager avec vous, que ça soit sur en stream ou que ça soit sur YouTube. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur YouTube sur mes let's play de jeux vidéo que je vais mettre en ligne pour garder des souvenirs, puisque je sais pas si vous le savez, mais les streams au fur et à mesure se suppriment. Je sais plus c'est quoi la fréquence, mais je pense que ça doit être au bout de peut-être un mois et demi, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours l'alimenter. Moi, en ce qui me concerne, le planning, il est maintenant assez fixe, puisque je répète le lundi et le jeudi pour la harpe. Et puis, le mardi, mercredi, vendredi, le soir, je joue à des jeux. Donc, en ce moment, je suis sur Assassin's Creed Origins. Et puis, j'ai commencé Death Gone. Donc, voilà, ça me permet de faire autre chose et d'écouter aussi des musiques.
voilà, d'écouter aussi des musiques. Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté. Je finis avec ce dernier morceau. Et puis, je vous dis à demain soir pour la suite peut-être de Assassin's Creed Origin. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé ce stream, de m'avoir fait bonjour. Là, je dis bonjour à Babou Barbu. Peut-être qu'il est en train de dormir grâce à ma musique. Et c'est tant mieux. C'est quelque chose qui... voilà, la harpe, c'est apaisant. Apaisant, voilà. Et puis, écoutez, on y va. Elle met du temps à s'arrêter. Elle met du temps à s'arrêter. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé ce live.
pour les gens qui sont passés, qui m'ont fait un petit coucou, pour ceux qui sont passés juste comme ça pour être un peu curieux de savoir ce que c'était. Et puis, pour peut-être que je diffuserai ce live sur YouTube, on verra. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain stream. En tout cas, moi, ça sera demain soir de 19h à peu près 22h sur peut-être Assassin's Creed ou Days Gone. On verra suivant mon inspiration. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut!